Regardez-moi cette belle bestiole. Donc c'est la Blackfoot 3. Donc dans son emballage encore. Alors tout est fourni, télécommande, batterie, chargeur. Je vais tourner le gros paquet. Regardez-moi ça. La boîte est franchement énorme. Donc là on la voit bien en photo. Franchement ça déchire. Donc c'est la version XB, c'est-à-dire que tout est fourni dedans. Allez, c'est parti. Enlever le scotch pour ouvrir la bête. La bête. Ta, 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 ta. La, la, la. Elle est big. Elle est big, big, big. Regardez-moi ça. Donc la télécommande ici. Hop là. La bête. Ouh là là. C'est sympa. Bon, j'ose même pas la déballer tellement, tellement elle est belle, tellement elle est énorme. C'est franchement bien sympa comme modèle réduit. Donc faut y aller, faut y aller. Ouh, oh purée. Bon, y a pas de danger que ça s'en aille pendant le transport, hein. Voilà bête. Voilà la bête. Tac. La Tamiya Blackfoot 3, elle est là. Avec sa radiocommande. Toute simple. En dessous, il y a le boîtier pour les batteries. Bon, je pense que c'est pas la radiocommande. Voilà, la clé, le boîtier à piles. Bon, il y a mieux. Hein. Tout est fourni, donc ils mettent une télécommande avec des piles. La batterie, le chargeur secteur. Voilà. Donc là, on a le kit complet, la voiture, radiocommande et chargeur. Donc prêt à rouler. Donc c'est une version sans roulement à billes. Donc j'ai acheté un kit pour l'équiper de roulement à billes. Parce que quand il n'y a pas les roulements à billes, et ben, forcément, le matériel s'use plus vite. Ça endommage le modèle, donc c'est quand même dommage. Donc j'ai investi dans des... Bon, ça coûte 20 euros pour avoir les... Donc les roulements à billes pour garder le modèle le plus longtemps possible. Avec le pilote. Tamiya. Voilà. Donc le moteur ici. Le châssis. Voilà. Franchement, c'est un beau modèle. Assez léger tout de même. Hop là, châssis, donc on a tout, cerveau, moteur, le récepteur, voilà, tout y est, amortisseur, bon amortisseur à friction, hein, je vous disais, c'est le modèle de base, hein. Donc les amortisseurs ne sont pas d'une extrême efficacité, mais c'est pareil, ça peut, on peut acheter un kit et les changer. Je pense que c'est ce que je vais faire par la suite. Des jantes sympas, chromées, un bon boudin, bien costaud, avec des crampons pour arracher un peu, pour arracher le terrain, quoi. Voilà la bête. J'espère que j'ai bien me marré avec ce petit modèle. J'ai plus qu'à charger les éléments. Bon, quand même mettre les roulements avant. Et puis bah c'est parti. Hein. Ah oui, j'oubliais. Il y a aussi donc, le manuel. Des petites pièces de rechange. Un peu de graisse. Une clé. Puis deux, trois petits éléments en plastique. Voilà. Bon bah c'est super sympa. Ah ouais, j'ai oublié. Bon, la carrosserie. Avec des stickers sympas. Un avant. Une calandre chromée. Bien sympathique. Donc, je le disais tout à l'heure, le pilote. Ah bah important le pilote. Voilà l'arrière. Avec des stickers sympas partout. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.